Que tu cailles les affaires, que tu caracantino, que tu caracantino, les affaires, que tu cailles les affaires, que tu caracantino, c'est maresta. Les affaires, que tu cailles les affaires, que tu caracantino, que tu caracantino, les affaires, que tu cailles les affaires, que tu caracantino, c'est maresta. Vimo si de maia, tu para para mal, mai vegui vera outre, mai vegui vera outre. Nous sommes maintenant sur le pont de pierre d'Arlé qui se trouve sous le village. Et je vous présente maintenant Léa qui va nous parler d'un endroit qu'elle aime beaucoup. C'est un rocher que... C'est mon rocher, quoi. Et pourquoi tu aimes bien cet endroit? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu y trouves? J'aime bien y aller parce que je vois les alentours. Je domine le village, je domine tout ce qui est les champs et tout ça. Parfois, j'y vais le soir. Je vois des biches, des chevreuils et parfois des blaireaux, voilà. Mais sinon aussi sur le rocher, on voit des traces de ce qui s'est passé précédemment. Enfin, il y a des animaux qui sont passés avant moi et donc je m'imagine que eux aussi ils ont regardé le panorama, quoi. Tu te l'es approprié alors, c'est ton rocher. Oh, peut-être pas, mais pour moi c'est comme je suis à peu près la seule à y aller. Oui, il faut dire qu'il n'y a pas grand monde aussi pour te piquer ton coin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Et donc, comment vis-tu le fait d'être seule? Quelles sont tes activités? Eh bien, je m'adapte, comme beaucoup de gens. Je discute avec les gens du village, je m'amuse toute seule ou avec mes chiens. Je fais un peu de foot, du vélo et je cours un peu. Donc tu es bien ici, ça te manque pas d'avoir des amis, des voisins de ton âge? Non, ça me manque pas, je suis bien, je me sens bien, je respire, je suis pas dans la pollution de la ville, quoi. Je suis bien, je trouve. Bonjour Dédé. Bonjour Chantal. Tu veux bien te présenter pour commencer? Oui, je suis Monsieur Delena André, donc j'habite à Arlier depuis une trentaine d'années. Et je communique avec la nature, j'aime la chasse, j'aime la pêche, j'aime faire mon jardin aussi. Tu peux me dire comment tu es arrivé ici? Je suis arrivé, c'était mes parents se sont installés dans les années 60. Ils venaient à la retraite. Mon père cherchait un endroit avec la montagne, avec la pêche, parce qu'il aimait la pêche de la truite. Voilà, et ils se sont installés, ils ont refait une maison qu'ils ont achetée à Arlé. Alors tu as parlé de la nature, de la chasse, de la pêche. Est-ce que c'est des choses importantes pour toi? Ah oui, très importantes, parce qu'on communique avec la nature, on découvre beaucoup de chemins. On découvre des essences des arbres, les plantes, le ciel, les champignons. Voilà, je peux vous dire que moi j'aime bien c'est la Pénide, parce que c'est un lieu pour moi enchanteur, qui est vraiment la nature, nature quoi. Les chemins, quand on prend un chemin, on se perd dans ce chemin. On passe sous une voûte d'arbres, on dirait un tunnel. Et on se sent tout seul face à la nature. Et on voit des champignons, on voit des biches, des cerfs, des sangliers, des chevreuils. Et alors tu parles de la Pénide, mais moi qui suis ici depuis pas longtemps, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais la Pénide, c'est un petit mont qui se trouve à la limite d'Arlé et de la commune d'Aubaza et la commune de Ferrussac. Ça fait un triangle. Donc c'est un lieu vraiment magique, quoi, parce que les gens, les trois communes, se réunissent à la Pénide. Que ce soit pour la chasse, pour aller faire des champignons, pour mener des bêtes à l'époque, il y avait beaucoup de prés autour. Donc ils menaient les chèvres, les moutons, les vaches, c'était à la Pénide. Mmh. Voilà. Et ça, je vous parle de ça dans les années 50, 60. Voilà. Et alors, est-ce que maintenant, on peut aller à la Pénide facilement? Oui, il y a des pistes qui ont été ouvertes, puis des pistes qui sont existantes.
des chemins, quoi, des chemins ancestraux qui étaient pris déjà à l'époque, dans les années 1650, 1680. Ils passaient par là pour rejoindre Langeac, pour rejoindre Ferrussac, rejoindre Aubazat. Voilà. Et ils traversaient aussi Arlet pour prendre le chemin du facteur. On peut aller jusqu'au sommet par un chemin. Voilà. Derrière la Pénie, de côté Aubazat, il y a même l'ancien chemin communal qui passe, qui s'arrêtait au milieu des prés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route. La route qui montait sur Ferrussac n'existait pas. Donc les gens, ils s'arrêtaient à ce pré. Après, ils avaient d'autres chemins qui partaient, qui descendaient sur Cronce, qui descendaient... voilà. D'accord. Et tu y retournes souvent là? Tu y vas souvent maintenant? Oui, j'y vais souvent. Oui. Tu m'emmèneras alors, hein, parce que je ne connais pas. Ah oui, et puis je te ferai connaître les sortes de champignons qu'il y a là-haut. Oh. Là, ça va être plus difficile. Bon. Oui, puis il y a, comment ça s'appelle, beaucoup des herbes odorantes, puis médicinales, qui sont dans la nature, quoi. Donc on peut trouver des plantes, des fleurs, même des racines. Parce qu'il y a un ruisseau qui descend de Chassignol, donc il est très important, quoi, de trouver des racines pour les gens, quand ils fument, pour arrêter de fumer déjà. Oui. Qui a un goût comment dire de gentiane, d'anis. Ah oui. Un goût d'anis qui coupe l'envie de fumer. Ah, voilà. L'église Saint-Pierre d'Arlet est très intéressante à plus d'un titre. D'abord, par rapport à son architecture, on remarque que le chœur est vraiment roman, alors que la nef a des voûtes en ogive, donc caractéristiques de l'art gothique. Comment se fait-il que cette toute petite église soit pratiquement entièrement voûtée avec des voûtes d'art gothique? Donc là est la grande question que se posent les historiens. Moi, j'aurais tendance à penser que peut-être justement elle a été construite à une époque charnière entre le roman et le gothique. Ça, c'est ce que pense une historienne très connue. Par contre, d'autres pensent qu'elle a été romane puis remaniée à l'époque gothique. La seconde caractéristique de cette église, c'est le mobilier. On voit là tout de suite, Saint-Pierre en majesté. Pourquoi Saint-Pierre? Parce que c'est le patron de l'église et en majesté, ça veut dire qu'il est assis sur une cathèdre. Cette statue date du XIIe ou du XIIIe siècle, c'est la plus ancienne de l'église et on pense que c'est effectivement qu'elle représente Saint-Pierre. Une statue à gauche de la nef, une statue que j'aime beaucoup, c'est la Vierge à l'Enfant qui est en bois doré. Du XVIIIe siècle. Ce triptyque représente trois faces. Hein. Au centre, c'est la Sainte Face. À gauche, on représente Saint-Pierre, puisque c'est le patron d'Arlet de l'Église, et donc c'est le premier pape. On le voit avec sa tiare sur la tête, là. Et à droite, on voit le donateur, sans doute, et son confesseur. Maintenant, alors, la grande pièce de l'Église, c'est le Christ en croix, donc qui date du XIIe ou du XIIIe siècle, et la croix elle-même est plus récente. C'est donc l'un des trésors de l'Église. Il appartient à la série des Christ romans d'Auvergnat. Il ressemble en plus rustique au Christ d'Eson, au Christ de Lavoucillac ou à celui de Saint-Flour. Oui, Paul, je me souviens que tout au début, quand je suis arrivée dans le village, j'étais surprise par cette croix que l'on trouve donc à la droite quand on vient vers Arlet.
vous m'avez raconté l'histoire de cette croix. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Vous pouvez nous le redire ? Je vais essayer de vous la raconter, bien entendu, comme me l'a raconté surtout ma grand-mère, que j'ai très bien connue et qui m'a presque élevée. Et il revenait de la foire avec son mari et avec des enfants, avec le dernier-né, qui était né en 1910 à peu près. Et il avait 3-4 ans. Et alors, ils étaient propriétaires d'une mule. Ils arrivaient avec une mule qui était aveugle. Et cette mule aveugle, ils l'avaient depuis très très longtemps. Et un jour, il y a eu un orage extraordinaire, mais vraiment un orage terrible, terrible, terrible. Et cette mule-là n'a pas senti le dur. Vous savez qu'il n'y avait pas, bien sûr, de goudron. C'était des pierres. Et la mule-là, avec mon grand-père, ma grand-mère et le bébé à l'intérieur, parce qu'ils étaient quand même... Et cette mule n'a pas senti et elle est tombée au fond. Mais elle est arrivée, elle, jusqu'à la rivière. Et alors depuis, ils ont été bien sûr blessés, tout le monde. Le petit n'a rien eu du tout. La mule est morte sur le champ. Ils l'ont retrouvée dans la cronce, là-bas au fond. C'est impressionnant de le voir. Vous connaissez oui, Et alors c'est venu exclusivement de là. C'est-à-dire que la mule n'a pas senti le dur. Et après, bien sûr, il y a un monsieur qui avait été élevé aussi par ma grand-mère, qui s'appelait monsieur Antoine Jury, qui était la mémoire du village et qui s'était occupé de l'église pendant très longtemps, mais pendant des années, des années, des années. C'était un ancien préparateur en pharmacie à la retraite et qui a mis cette croix. Il a mis cette croix pour, bien sûr, pour marquer le fait qu'ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils auraient pu être morts tous. Mon grand-père, ma grand-mère, et voilà l'origine de la croix. Et donc cette croix, elle date depuis quand ? Elle doit dater des années 1915, par là à peu près. À peu près 1910-1915, environ. Et avant, il n'y avait rien du tout, là. Il n'y avait rien du tout, mais ils ont profité du site qui était extraordinaire. Il y avait un magnifique rocher, et sur ce rocher, bien sûr, et ils ont mis la croix, quoi. Voilà, donc il s'agit d'un geste de reconnaissance. Ah, complètement. C'est un geste de reconnaissance pour remercier je ne sais qui, mais enfin, voilà, ils ont eu cette croix. Mais ce monsieur dont je vous parle, monsieur Jury, c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Et, qui possédait d'ailleurs mon jardin. Qui possédait votre jardin à l'époque, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà, et bien voilà pour l'histoire de la croix. Alors Paul, cette grand-mère qui s'est remise de son accident, vous racontait une histoire d'un prêtre ou d'un abbé chez vous. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Je ne vais pas vous parler de l'histoire de l'abbé Brustel parce que c'est une histoire tellement connue dans tous les départements avoisinants puisqu'il a été guillotiné sur la place du Postel à Brioude. Je peux simplement vous dire l'endroit où il se cachait. Il a été dénoncé et la maréchaussée à l'époque est venue le chercher à l'endroit que m'avait fait voir ma grand-mère où il se cachait, où les habitants savaient qu'il était caché, mais il a quand même été dénoncé et ils sont venus le prendre à un endroit très précis. D'ailleurs, un endroit qui appartenait aussi à ma grand-mère, cet endroit-là. Et voilà, c'est simplement, je sais où l'abbé Brustel a été pris. Sinon, l'histoire de l'abbé Brustel, bien sûr, je ne vous la raconterai pas, parce que c'est toute une histoire, c'est extraordinaire. Il y en a des pages et des pages entières, d'ailleurs, là-dessus. Voilà, mais c'est à peu près tout pour l'abbé Brustel. Bon, ici, nous nous trouvons donc dans le jardin de la mairie. Et avant la mairie, il y avait... Évidemment, sur la mairie, il y avait l'emplacement du château. D'ailleurs, il y en a une preuve flagrante devant nous. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tout le... Ça fait partie des gargouilles du château, la tête qu'il y a là-haut. Et les pierres du château ont été utilisées pour bâtir beaucoup les maisons d'Arlay. Toutes les pierres du château. D'ailleurs, la maison où je suis, il y a une tête d'homme et une tête de femme que vous pouvez venir voir quand vous voulez et qui sont d'anciennes gargouilles du château. Si vous voulez, ça représente le château. Et alors là, dans le jardin de Michel, là, il y avait les oubliettes du château. Et lorsque nous étions petits, que nous venions à l'école, on nous interdisait d'aller dans le jardin de Michel, ma grand-mère, parce qu'elle disait « faut jamais que tu ailles dans le jardin ». Parce que tu risques de tomber dans les oubliettes du château. Et ça, ma grand-mère me l'a raconté, et ma mère aussi, bien sûr, après, plus tard.
C'était vraiment... Mais il y a dans le village énormément de pierres qui ont été utilisées pour construire les maisons. On dit même qu'il y a une serrure aussi, à pas loin de là, qui appartenait au château d'Arlay. Elle est très belle, vous la connaissez pas, Michel ? Elle est superbe, cette serrure. C'est une serrure énorme, comme ça, là, et qui aurait appartenu au château d'Arlay. Donc on peut dire que dans chaque maison d'Arlay, il y a un peu du château. Il y a un peu du château. J'ai connu Arlay, Michel, avec une vie rurale qui était développée. Bien sûr, il y avait des agriculteurs, évidemment. Et puis tout d'un coup, le village a périclité. Les maisons ont été abandonnées, les gens sont partis. Et ça me faisait vraiment mal au cœur. Et puis, il y a des gens d'ailleurs qui sont arrivés. Et voilà, vous en faites partie. Alors, je voudrais savoir comment vous avez choisi ce petit coin de Haute-Loire. Comment ça s'est passé pour vous, cette décision de vivre ici ? Eh bien, en fait, on cherchait une maison pour la retraite. Et comme je fais du pendule, j'ai regardé sur une carte de France. Mon souhait était d'aller du côté plus de la Provence et mon mari, lui, voulait aller plutôt du côté des Pyrénées. Mais le pendule, systématiquement dans un triangle qui faisait Saint-Flour, Brioude et Langeac, tout ça. Bon. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, on ne connaît pas l'Auvergne à part la chanson de Georges Brassens, l'Auvergnat. L'Auvergne, ce n'est pas une région très, très connue, du moins en Belgique. Quelquefois en France aussi, je crois qu'elle est assez mal connue. Je peux bien le croire. Et donc, on est venu, et puis je suis arrivée un jour à Brioude, et j'ai regardé Brioude, et je me suis dit, non, jamais, je viendrai m'installer ici. Et puis, on est passé dans une immobilière, et on a vu plein, et je dis, là, ça a l'air d'être pas mal. Et voilà, on est venu, et puis mon mari a dit, voilà, c'est celle-là, pas une autre. D'accord. Et on l'a achetée. Ah, c'est vraiment une belle histoire. Oui, c'est très intéressant. Alors, je sais que vous avez du goût pour le jardinage. Vous allez nous parler de votre jardin extraordinaire. En fait, j'ai l'impression que quand je rentre dans ce jardin et que j'en ferme la porte, ça semble ridicule, mais c'est comme ça, je suis dans un autre milieu. Il y a une ambiance, une énergie, comme je suis très sensible aux énergies, une énergie particulière. Et je trouve aussi bien qu'il fait plus chaud, plus chaleureux. Et puis mon jardin donne bien, du coup. Oui. Et j'ai besoin du contact avec la terre. Ça, c'est indispensable pour moi. D'accord, ok. Vous parlez de cette énergie. Et je ressens, moi, l'énergie quand je rentre dans l'église d'Arlay. Et c'est important aussi pour moi parce que je ressens bien l'énergie. Oui. Voilà. Je dois dire que la première fois que je suis rentrée dans cette église aussi, j'ai senti qu'il y avait encore comme une vie dedans, alors que dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Mais là, il y avait vraiment une énergie particulière qui stimule un peu peut-être la foi, je crois même. D'accord, oui, je le ressens bien comme ça et c'est anecdotique, mais là, première fois que je vous ai vu, c'est précisément dans l'église d'Arlay. Il n'y a pas de hasard. Eliane, nous parlions tout à l'heure de l'église et je sais que vous avez un grand-oncle qui a beaucoup travaillé pour la mettre en valeur. Expliquez-nous un peu ça. Oui, effectivement, il a été maire d'Arlay dans les années 60 et il a fait plusieurs mandats. C'est vrai que la restauration, la rénovation de l'église lui tenait à cœur et donc il s'en est vraiment beaucoup occupé. C'est dommage parce qu'il y avait, j'ai conservé un article qui était paru à l'époque dans le journal La Montagne. Et donc, il y avait toutes les étapes et les démarches qu'il y a eu à faire. Voilà, donc c'est...
Oui, c'était beaucoup à son initiative et bien sûr à l'initiative des monuments historiques, c'est vrai, mais ça l'avait beaucoup occupé. Oui. Par rapport à mon grand-oncle, qui était donc paysan au Farge, c'est un hameau à 3 km d'ici, je me souviens d'anecdotes savoureuses parce qu'il les disait en patois. Et ça, c'était merveilleux. Et je l'ai appris avec lui. Hein, et bon, maintenant, plus personne ne le parle. Et je me souviens, des fois, il disait, il prenait sa voiture, il venait à la mairie et il disait, ah là là, ils sont pas faciles, hein, ces arlequins. Parce que les habitants d'Arlay, ils les appelaient les arlequins. Et je trouvais ça trop mignon. En fait, on n'a jamais su exactement comment on peut nous nommer. Arlequin, Arlequois, Arlequoise. Effectivement. Mais lui, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. Et lui, quand il le disait, ça, c'était trop drôle. J'aimais beaucoup. Et puis, il a l'air de dire, c'est pas simple. Hein, parce qu'il y en a des histoires comme ça entre les familles, entre les gens. Et voilà. Ça me fait penser que quand la première fois j'ai été payer les impôts, c'était encore à Langeac. Et quand j'ai dit que je venais d'Arlay, on m'a dit « Oh là là !» Il y avait un film là ou un livre, je ne sais plus. Clochemerle, c'est ça, Clochemerle. Ah, on m'a dit « C'est Clochemerle. » Vous confirmez ? Je confirme, oui, de par les dires de mon grand-oncle. Oui, c'était Clochemerle et je pense que le maire d'après pourrait dire la même chose. Mais oui, c'est pas facile à gérer tout ce petit monde. Mais apparemment, vous revenez souvent à Arlay. Eh bien oui, j'ai des attaches fortes. Hein. Ma grand-mère est originaire des Farges. Voilà, et donc c'est du côté maternel. Et nous avons une petite maison, et c'est vrai que c'est toute une histoire, toute l'histoire d'une famille. Il est certain que je reste plus souvent au Farge, mais je viens toujours faire mon tour à Arlay tout le temps. Et oui, et souvent en voiture, voilà, je passe dans Arlay pour voir et me souvenir. Que tu cara cantino se maresta, e musi de maia compara pare mal, vai vendi.